Nous voulons qu'il soit notre messager, notre porte-parole au niveau de son gouvernement. Qu'ils ont été toujours trompés que non, voilà, tout marche bien au pays. Et pourtant, rien ne marche depuis l'avènement de Kabila au pouvoir de ce pays. Nous sommes désolés de tout ce qui s'est passé. Il était prévu que nous donnions notre lettre ouverte à Madame l'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies. Malheureusement, la police de la MONUSCO, qui est censée collaborer avec nous, la population, qui est censée former la police nationale congolaise, nous sommes désolés du fait qu'elle nous a brutalisés et nous a torturés et n'a même pas respecté les droits humains, notamment les droits de manifester publiquement.